Le VRAC est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon mardi après-midi, bienvenue sur le plateau de La Vitrine. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2023, santé, bonheur, prospérité et surtout le meilleur de ce que 2023 peut offrir. Et aujourd'hui, on débute notre nouvelle saison en vous parlant de la Fondation Annette Simon-Lebel qui, depuis 1995, offre différents services aux personnes atteintes de cancer et à leur entourage. On a le plaisir de parler de l'offre de services et du déploiement de cette organisation à l'échelle du Bas-Saint-Laurent avec la présidente Myriam André-Lebel qu'on retrouve à l'instant. Myriam André, tout d'abord, bon après-midi. Bon après-midi. Très heureux de te recevoir, Myriam André, pour parler de la Fondation Annette Simon-Lebel. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas mis en lumière votre organisation, votre fondation, qui, je le soulignais, depuis 27 ans, joue un rôle majeur auprès des personnes touchées par leur cancer et leur famille. D'abord, quels sont les principaux services ou quelle est la principale mission de votre organisation? Bon, bien, depuis 1995, dans le fond, la principale chose qu'on a faite, c'est l'offre de financement. Dans le fond, les gens qui sont atteints de cancer, il faut qu'ils se rendent souvent à Québec. À l'extérieur, pour avoir des traitements. À l'extérieur, pour avoir des traitements. Ça dure 5 à 6 semaines. Ça a des coûts quand même importants. Bien, l'hébergement, donc, déplacement, repas et tout. Là. Exactement, plus les médicaments, etc. Fait que c'est ça. Fait que c'est ma mère, Annette Simon-Lebel, qui a décidé de starter ça puis d'offrir de l'aide financière aux gens atteints de cancer pour les aider dans tous ces frais-là. Fait que c'est ce qu'on fait depuis 1995. On le fait au Bas-Saint-Laurent. Mm-hmm. Puis depuis 2022, on a amorcer l'aide financière aussi dans 3 MRC de Chaudière-Appalaches, dans Montmagny, Lillet et les Etchemins. Wow! Donc, vraiment un rayonnement qui se déploie au-delà des limites de l'endroit où tout a débuté, parce que ça a commencé ici même dans la région du Bas-Saint-Laurent. Oui. Et l'offre de services que vous offrez, bon, évidemment, c'est financier, mais c'est aussi humain. J'ai l'impression que vous offrez un soutien important aux personnes qui vivent un épisode de cancer ou encore leurs proches, parce que c'est difficile autant pour la personne que le diagnostic que pour l'entourage également. Là. Exactement. Donc, souvent, c'est l'entourage qui est très, très affecté. Ça dépend. Il y a pas une personne qui vit... Ça dépend de la réaction des gens. Hein? Il n'y a pas une personne qui le vit de la même façon. Il n'y a pas une famille qui le vit de la même manière. Mais, tu sais, des fois, la personne qui a le cancer le vit quand même assez bien, mais l'entourage, c'est difficile. Ou des fois, c'est l'inverse. Fait que, donc, c'est pour ça que nous autres, on aide pour l'accompagnateur au niveau financier. Mais maintenant, depuis 2022, c'est là qu'on s'en vient, on offre aussi un soutien psychosocial pour les gens atteints de cancer ou un de leurs accompagnateurs aussi, là. Fait que ça peut être un des deux qui est en difficulté. Et qu'est-ce qui vous a motivé à offrir, à ajouter ce service-là? Bien, c'est justement tu sais, c'est difficile, hein? Puis avec la COVID en plus, on le sait, il manque de services dans notre communauté. Puis on voulait vraiment offrir autre chose que de l'aide financière, mm-hmm. parce que moi, c'est moi qui réponds au téléphone, puis tu sais, je l'entends souvent. Là, la détresse Il y a de la détresse, il y a un manque de toutes les sortes. Il y a un manque de ressources aussi. Il y a un manque de ressources, puis les gens veulent parler à des gens. Mm-hmm. Hein? Le contact humain est important aussi. Et l'écoute, je pense que c'est ce qui fait une différence aussi pour ceux et celles qui bénéficient de ces services d'aide psychosociaux. Donc, d'avoir une oreille attentive, d'avoir quelqu'un avec qui ventiler ses craintes, ses doutes, ça fait une différence concrète aussi dans le cheminement et dans le processus de guérison. Exactement. Puis ça va vraiment avec, c'est vraiment en ligne avec la Fondation et avec même ma mère, parce que ma mère, c'est une femme qui écoutait beaucoup les gens. Oui. Fait que, tu sais, tout ça coule de source. C'est juste que là, maintenant, c'est on naturel. Est capable financièrement de faire tout ça. Donc, on le fait avec C'était plaisir. Donc naturel pour vous d'ajouter ce service-là et assurément qu'il y aura d'autres bonifications qui seront apportées à votre offre de soutien dans les prochaines années. En tout cas, on vous le souhaite. Tu parlais que maintenant vous aviez les reins assez solides financièrement pour offrir ce service-là. Il faut dire une chose, c'est que la Fondation vit et survit principalement grâce aux différentes activités de financement. On pense à votre traditionnel tournoi de golf, mais il y a d'autres moyens aussi de vous soutenir sur le plan monétaire. Comment on peut faire si on est à la maison et qu'on a envie de faire une différence concrète auprès de votre Fondation? Oui, bien, dans le fond, vous pouvez aller voir le site de la Fondation. Vous pouvez faire des dons en ligne. Oui. On a une boutique en ligne aussi là, avec différents produits que vous pouvez acheter.
Vous pouvez faire tout simplement un don par chèque. Là. Toutes les coordonnées sont sur le site de la Fondation. Donc, c'est fondation-acl.org. Génial. On peut évidemment avoir plus d'informations par téléphone au 88-867-1695. Et c'est vraiment un organisme qui s'assure que les sous restent en région et que l'argent qui est amassé, qui sert à soutenir ces personnes-là qui vivent un épisode de cancer ou leur famille, soit distribué aux gens du milieu. Oui. On va s'arrêter 2 minutes, ma chère Myriam. Merci. André, mais on va poursuivre la discussion en retour avec Isabelle Caillouette, qui va donner une série d'ateliers à compter du 10 janvier prochain, soit mardi prochain, à des séries d'ateliers portant sur l'anxiété post-traitement pour les personnes qui vivent un épisode de cancer ou qui ont vécu un épisode de cancer. Donc, on vous invite à rester à l'écoute puisque notre rendez-vous d'après-midi va se poursuivre dans un petit instant avec la psychothérapeute Isabelle Caillouette et Myriam André Lebel, présidente de la Fondation Annette Simon Lebel. On est de retour sur le plateau de la vitrine. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez qu'aujourd'hui, on vous parle de la Fondation Annette Simon Lebel qui, depuis 1995, offre une panoplie de services aux personnes atteintes de cancer et leurs familles. Et il y a un nouveau service qui s'ajoute la semaine prochaine, une série d'ateliers portant sur l'anxiété post-traitement pour les personnes qui ont vécu ou qui vivent actuellement un épisode de cancer. Une série d'ateliers qui sera donnée par l'intervenante psychosociale Isabelle Caillouette. Elle n'est pas psychothérapeute, je à le souligner, j'ai fait une petite erreur avant la pause, donc je voulais corriger le tout. Intervenante psychosociale qu'on accueille à l'instant, tout comme Myriam André Lebel qui poursuit la discussion avec nous. Donc, mesdames, c'est à compter du 10 janvier prochain que vous allez offrir cette série d'ateliers, 4 rencontres au total. Isabelle, d'abord, parle-nous un peu du contexte dans lequel vont se dérouler ces ateliers. Bien, tout d'abord, on va partir de l'expérience que les gens vivent à ce moment-là ou qui ont vécu, évidemment, pour voir comment on peut transformer ces expériences-là en expériences le plus bénéfique possible pour l'avenir des gens, pour les propulser avec un meilleur bagage, transformer ce bagage-là en et les aider aussi à ventiler leurs craintes, ventiler leurs peurs, parce que souvent, c'est le genre de choses qu'on garde pour soi. On ne veut pas inquiéter l'entourage, je présume, aussi. Là. Aussi, c'est sûr. On va parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore, l'impact sur leur vie, parce qu'on s'entend que ça a un impact sur toutes les sphères de la vie d'une personne, puis de son entourage aussi. Là. Ça touche pas seulement que la santé physique, santé mentale des fois, santé spirituelle. Les répercussions spirituelle. Sont énormes et elles sont de longue haleine aussi. Hein? Souvent, ça dure sur plusieurs années. Aussi. Puis l'idée, c'est vraiment de mettre le doigt sur ce qui peut être transformé, transposé pour que ce soit une expérience le plus bénéfique possible, même si c'était bouleversant, évidemment. Exactement. Mm-mm. Quelles sont les principales craintes, justement, que vous recevez lors de vos consultations et qui, selon vous, seront abordées lors de ces 4 rencontres? Comment, d'après moi, selon moi, là, ça serait vraiment que comment recommencer sa vie à partir de... Est-ce qu'on peut recommencer sa vie comme elle était ou on peut la bonifier? Aussi? La transformer? Oui. D'une certaine manière. Parce que plusieurs personnes qui disent que oui, c'est un choc avoir un diagnostic de cancer, mais que par la suite, ça a eu un effet positif sur la suite de leur parcours. Absolument. C'est de trouver justement c'est les effets qui peuvent être. Les plus grandes difficultés peuvent donner les plus grandes bénédictions. C'est vrai. Alors, c'est vraiment de trouver vraiment c'est comment les transformer. Et de votre côté, Myriam André, qu'est-ce qui vous a motivé à offrir précisément ce type de rencontre, d'aborder ce sujet-là, qu'est l'anxiété post-traitement? Bien, l'anxiété, c'est quand même au goût du jour. Là. C'est un mal de société, je pense. Hein? On est dedans. Là, ça touche, je crois, tout le monde à un certain niveau. Mm-hmm. Puis, bien, encore plus, naturellement, quand on vit le cancer. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on se disait que ça serait une bonne idée d'offrir des petits trucs là, dans la vie pour améliorer leur vie. Puis, effectivement, tu sais, l'écoute entre les gens, l'écoute avec l'intervenante psychosociale, tu sais, ça va donner un plus dans leur vie. Exactement. Il y a différentes thématiques qui seront abordées, évidemment. On a une photo à vous montrer à l'écran dans un petit instant, donc, qui va parler, entre autres, de l'origine des peurs, de leur utilité aussi aux absolument, peurs. Parce que, contrairement à ce que l'on pourrait penser,
les peurs peuvent être bénéfiques pour nous faire avancer. Il y aura également les agents stresseurs. Vivre avec nos peurs, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc, ces quatre thématiques vont se décliner sur des rencontres de quelle forme, si on veut? C'est sous forme, c'est sûr, de discussion. On va vraiment, les gens, on va beaucoup discuter. Les gens vont parler de leurs peurs, de leurs stresseurs, de ce qui s'est passé dans leur vie, dans les derniers mois, peut-être même années. Ce que ça leur a apporté comme difficulté, évidemment, puis d'aller chercher ce qu'on peut à partir de là pour le transposer pour la suite de leur avenir. Et ce sera sous forme d'échange de groupe? Est-ce Absolument. Que ce sera individuel pour ceux et celles qui voudraient des rencontres en tête à tête avec vous, par exemple? Est-ce que ce sera possible de le faire dans ce contexte-là ou au contraire, ce sera peut-être une autre avenue à explorer plus tard? Pour l'instant, on est en atelier de groupe, on va discuter en groupe. Mm-hmm. S'il y a des besoins pour un individuel, on en reparlera à ce moment-là, évidemment. Il y a toujours l'ouverture. Et voilà. Oui, oui, tout à fait. Combien de places sont disponibles au total pour cette première série de rencontres, Tania Rivière Mandré? 10 places. OK. C'est ça, il reste de la place présentement, fait que n'hésitez pas. J'aimerais ça juste dire que tout ça se fait dans les locaux de l'Univers Emploi. Dans le fond, c'est Nancy Dumont de l'Univers Emploi qui nous avait approchés pour faire les ateliers en premier. Puis comme on arrivait éventuellement dans cette optique-là, bien là, on a dit on va embarquer ensemble. Donc, Belle collaboration, Nancy, aussi que traverse un épisode de cancer. C'est ça, oui. Donc, assurément, c'est une réalité qu'elle comprend, qu'elle connaît aussi. Et elle a vu l'importance d'offrir ce soutien-là, cette forme d'aide-là aux personnes qui vivent la même situation qu'elle a vécue aussi. Il faut dire une chose, ce sera fait dans le respect de chacun. On va respecter les limites des gens à aborder ce sujet-là aussi parce qu'on ne veut pas brusquer personne non plus. Absolument. On va au rythme des gens et ça, tout ce qui se passe dans les ateliers, ça reste dans les ateliers aussi, évidemment. Exactement. Donc, respect, confidentialité et encadrement, bien évidemment. J'ai l'impression que vous souhaitez être très bienveillant auprès de ces personnes. Est-ce que je fais erreur? Je souhaite de tout mon cœur. Au niveau des inscriptions, en ce qui concerne justement les places disponibles, il y en a une dizaine. Pour la série de quatre rencontres, ça fonctionne de quelle manière si on veut participer à cette première série d'ateliers? Oui, donc vous pouvez communiquer à la Fondation au 867-1695, poste 102, ou par courriel au facl@commercialgroupelebel.com. Et il y a aussi, là, on peut contacter directement Univers Emploi. Là, j'ai perdu le... 866, mon Dieu, là, je ne pourrais pas vous dire, je ne le vois pas sur la feuille. Ah, 88-314-0404. Poste 2036. Oui, donc, je vais le répéter pour ceux et celles qui voudraient le prendre en note. Univers Emploi, 88-314-0404, poste 2036 pour soumettre son intérêt à participer à cette première série de rencontres qui aura lieu, vous l'avez mentionné, dans les locaux d'Univers Emploi, mais ça débute à quelle heure? Ça débute à 18h30. 18h30, donc chaque mardi pour les quatre prochaines semaines. C'est quatre mardis étalés sur 8 semaines. 8 semaines, parfait. Oui, ou 2 semaines. Génial. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup. Un franc succès. On invite tous ceux et celles qui vivent avec ce stress, cette anxiété post-cancer, à profiter de ce service d'aide qui est offert à compter du 10 janvier prochain dans les locaux d'Univers Emploi à Rivière-du-Loup. Une belle invitation de la Fondation Annette Simon-Lebel, série d'ateliers qui sera donnée par l'intervenante psychosociale Isabelle Caillouette. Je vous souhaite le meilleur des succès. Et en espérant que d'autres initiatives du genre voient le jour très prochainement. Merci. Merci à vous et à la maison. Merci également d'avoir été avec nous pour débuter cette saison 2023 de La Vitrine. Et on se retrouve demain pour une sortie au musée. Restez avec nous et passez une excellente fin de journée à l'antenne de TVA.